Alors, ça marche ce truc? Oh putain de bordel! Oui! Parfait! Bonjour, public adoré! C'est moi, le grand et sublime Isaac! Comment allez-vous? Je profite de l'absence inopinée de ma stupide et désagréable interlocutrice et de l'abruti qui me cadre habituellement pour prendre les choses en main. Vous avez envie de savoir la suite de mes aventures, pas vrai? Évidemment. Vous vous souveniez donc qu'il fallait encore que je sauve tout le monde, que quelque chose pourrissait l'oxygène, tout ça, mais vous souveniez-vous que je vous avais dit que les scientifiques étaient tous des gros tarés psychopathes? Eh bien, j'allais encore en avoir la preuve. Et d'ailleurs... Mais Isaac, qu'est-ce que vous foutez avec cette caméra? Oh, merde. La dévotion fatale. Est-ce qu'ils parlent des abrutis de croyants de ce truc qui se sont fait tous bousiller par leur propre monolithe? Ils auraient dû vénérer mon monolithe, là, ça aurait eu un sens. Quoi encore? Oui. Ah bon? J'ai peut-être eu quelques problèmes gastriques récemment, mais... Je suis déjà venu ici. Et vous êtes sérieux de recycler une vieille map? Mais pas semblant d'être mort, toi. Je reconnaîtrais un bébé mort entre mille. Quoi? Quand on ne peut pas faire autrement, il faut bien forcer un peu la main. C'est quoi ce truc énorme là-bas? Ça ne me plaît pas. Ah non, ça ne me plaît vraiment pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme enceinte qui aurait été contaminée? Vous foutez de ma... Quoi encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Super. Salut! C'est toi le psychopathe? Oui, t'as une tête de Judas. Ok. Quoi, t'es beaucoup trop grandiloquent? Je vais sortir l'artillerie le temps que tu libères ces conneries. Parce que je me doute que c'est ça que tu vas faire, tête de bite. Ah ouais, voilà. Le docteur Mercer. Voilà qui était votre femme psychopathe. Oh mais non, je vous en prie, allez-y, brisez tous mes effets dramatiques. Vous êtes déjà mis entre moi et mes fans, de toute façon. J'ai déjà assez perdu de temps comme ça, et mes supérieurs en ont assez de vos élans lyriques. Mais... Pas de mais. Qu'a fait Mercer? Il a lancé sur moi un monstre invincible. Tu es le truc immortel, n'est-ce pas? Ouais. Un certain docteur Mercer semblait faire des recherches poussées à ce sujet. Oui, d'ailleurs je l'ai peut-être croisé, ce fils de pute. Ah, en parlant de fils de pute... Comment t'es arrivé là avant moi? Tu veux arrêter de me raconter ta vie? Pourquoi est-ce que les scientifiques se sentent toujours obligés de parler et de vous raconter tous leurs projets énigmatiques sur la race humaine? Je m'en fous! Oui, bah j'ai remarqué! Vas-y. C'est ça! J'ai contourné les portes! Une fois que t'as dû te coltiner les grosses bestioles et les poufias hystériques sur la gueule pendant une demi-heure! Kendra, bordel de merde! Si tu continues, je vais te préférer Nicole une deuxième fois, tu vas voir! Mais tu es vivant? Bon bah, on va te laisser là, hein! Pas de bol! J'ai pas le temps de m'occuper des niaiseries d'une autre donzelle complètement tarée. J'ai déjà assez avec Kendra. Et avec Nicole. Mon dieu, Nicole. Je ne savais pas qu'elle avait complètement pété les plombs. Si j'avais su, je ne serais pas fait chier à m'embarquer dans cette merde. Merveilleux. Voilà, c'est bon. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'espère que ça a marché. Non, je l'ai déjà vu, merci, c'est gentil. De la reine mère. Est-ce que vous parlez de Nicole? Ne me dites pas que... Oh non. C'est donc pour ça qu'elle s'est isolée de moi. Elle voulait m'empêcher. M'empêcher de le savoir. Elle savait quelles mesures je prendrais. Vous ne pourrez pas lutter. Je vous laisserai avec mon cadeau, mais j'ai bien compris, hein. Je vais voir, c'est cool. Salut! Sayonara, fils de pute! Bonne idée, le coup de la cryogénisation. Merci. Je rêve ou vous êtes en train de bouder? Je ne boude pas. Mais si, je le vois bien. Non, bouder, c'est pour les enfants. Je suis contrariée, c'est tout. Ouais. Bon, j'ai vaincu cette bestiole par le froid. Puis je l'ai envoyée je ne sais où. Et je commençais à en avoir plein le cul de ces gonzesses qui essayaient de me donner des ordres et qui pétaient les plombs sans arrêt. Pourtant, depuis le début, vous êtes assez éloquent sur les relations que vous avez eues avec chacune d'entre elles. Ah ouais, mais ça, c'était avant que Nicole pète les plombs et que Kendra devienne une sorte d'Adolf Hitler. Comment vouliez-vous que je parle? Ça suffit! Qu'est-ce que vous êtes psycho-rigide. On dirait Kendra.
Bon, bah, si vous voulez tout savoir, je l'ai croisé à Mon en chemin, en piteux état. Puis j'ai dû me charger de la créature qui pourrissait l'air, un certain Léviathan. Ça va? Assez concis pour vous? Tu peux peut-être te régénérer, mais tu ne peux pas empêcher de... Qu'est-ce qu'il y a encore, Kendra? Nom de Dieu, fous-moi la paix! Laisse-moi savourer mon triomphe! Mais vous me cassez les pieds, Kendra. Vous devenez beaucoup trop insolente. Veuillez ne pas m'interrompre pendant mes monologues. On est reparti pour un tour. Changement d'air. Oui, c'est ce que j'aurais bien aimé faire si on ne m'avait pas enfermé dans cette foutue gargote. Vous croyez que moi, le grand Isaac, j'ai très envie de me retrouver ici? Regardez-moi ça, c'est même pas la première classe. Bon. Oh, super, des tomates. Terrifiant. Irrigation initialisée. je la retiens, celle-là, la prochaine fois que je tomberai sur Nicole. Non. Enfin, vous voyez ce que... Non, laissez tomber. Amonde! Du calme, Amonde. Ne pointez pas cette chose sur moi, vous serez incapable de me toucher, même si j'étais devant vous plus près. J'y ai jeté un œil. Un œil énorme et incroyable. Incroyable. Est-ce que vous parlez de mon... Isaac? Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Franchement, Kendra, au départ, j'étais charmé par votre petit côté rebelle et femme qui donnait des ordres. Mais franchement, je suis plutôt du côté sado que maso. J'ai horreur des femmes qui essayent de me commander. Détruis les capsules pour établir la qualité de l'air. Oui, Kendra, c'est ça. On va faire ça. Ah, seigneur. Cette gonzesse m'insupporte. Franchement, à part faire du potin maintenant, plus aucun de vous ne m'impressionne d'ailleurs. Je pourrais bien avoir même une Pamela Anderson avec 5 paires de boobs, ça ne m'impressionnerait carrément plus. Est-ce que vous êtes en train de me dire que je vais devoir retourner au niveau d'un putain d'agriculteur? Est-ce que vous foutez de ma gueule? Est-ce que j'ai l'air d'avoir envie d'avoir les mains dans les... Oh, mec! Oh, je veux même pas savoir ce que t'avais sur le dos. On dit toujours que j'ai une énorme paire, mais au moins elle ne me pousse pas sur le dos. On s'attendait pas aux mines. Mine de rien, elle fonctionne bien. Oh là là. Malgré toutes ces aventures palpitantes, je n'ai toujours pas perdu mon humour ravageur. Quoi? Oh Nicole, bordel de merde. Je n'ai plus envie de faire plus qu'un avec toi. D'ailleurs, tu m'emmerdes. C'était une très mauvaise idée de venir ici. Complètement stupide. C'est bien la pire chose que j'ai jamais décidé de toute ma vie. Celle-là est le jour où j'ai décidé de me laisser pousser la moustache. Oh putain! Déjà deux, hein, toi tu fermes ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez pas que je pouvais devenir agressif? À force de m'attaquer à coups de bébé... En plus, je commence à croire que c'est à cause de Nicole que tout ça est en train de se produire. Je vous assure que ça me met en rogne. Wow! Bon, mais ça va pas. Les embuscades, maintenant. On en est là. Les gens se sont transformés volontairement en ça, vous vous imaginez un peu? Moi-même, en me payant très cher ou en m'offrant tout un tas de femmes, je refuserais. Comme je disais, mon charisme animal ne survivrait pas à quelque chose aussi répugnant. Puis, comme je disais, les couilles, ça se trouve pas sur le dos. Oh putain de merde, non! Non! Ya! Ya mette! Oh pardon! Merci! Non mais... J'en ai assez de me faire attraper par tous les tentacules qui passent dans cette putain de station. Est-ce que j'ai l'air d'être une petite fille? Non! Est-ce que j'ai l'air d'être un personnage de manga? Non! Alors vous allez me foutre la paix maintenant! Ah, enfin! L'interrupteur pour relancer l'oxygène est dans le centre atmosphérique. Bien vu, mon frère, sur un des écrans de sécurité. Ah, toi aussi, tu commences à péter les plombs? Décidément. Suis-je le seul à rester lucide dans tout ce bordel? Oui? Oui? Nicole? Aide-toi? Non? Depuis que tu me proposes des trucs totalement étranges, j'ai plus vraiment envie de t'aider, ma chérie. Purification. Niveau d'oxygène et d'azote. Ouais, voilà. Je suis votre bouffée d'oxygène. Je l'ai toujours su. J'atteins les sommets d'excellence. Je ne sais pas vraiment, il y a un moment où si... Est-ce que j'aurai ne serait-ce qu'une limite? Allez savoir. C'est parti. Allons voir ce fameux Léviathan. Je crois que je vais appeler mon pénis ainsi. Ça lui va très bien. Le Léviathan. En parlant de mon pénis, ça doit être la vue qu'il a à chaque fois qu'il rentre dans une femme. Wow! Ça par contre, ça n'a rien à voir avec mon... Bon, ça va, j'arrête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, c'était toi l'enfoiré qui arrêtait pas de me choper. Je l'ai eu!
J'ai eu l'anus des enfers. Je suis trop fort. Nyar, 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 nyar. Nyar, 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 nyar. Oh mon dieu. Isaac. Oui. Oh seigneur, on a perdu Amon, de quelle tragédie. J'ai un plan pour foutre le camp de ce vaisseau. Ah, bon, enfin les choses sérieuses commencent. Enfin maintenant que j'ai récupéré mon titre de Léviathan. Parce que bordel de merde, je le méritais. Mais merde, Kendra, vous pourriez un peu vous bouger le cul tout de même. Je n'en reviens pas. Impressionnant, hein? Et j'ai fait ça tout seul. Comment voulez-vous que je retranscrive toutes les abominations que vous venez de me sortir? Ah, ça va, ça faisait longtemps que j'étais coincée dans ce vaisseau et... Ça faisait à peine un jour. Bah, et pour moi, c'était déjà trop long. Et puis, vous qui vous focalisez sur les détails, je vous ferai remarquer que vous n'avez ni relevé le fait qu'Amon ne répondait plus à la radio, et encore moins Kendra avait peut-être trouvé une solution pour nous sauver. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, Miss Frigide? Je ne vous permets... Bon, peu importe, laissez tomber. Un plan, donc? Ouais, un plan qui impliquait une balise collée sur un astéroïde que l'on aurait envoyé dans l'espace. Mais ce sera pour plus tard. J'ai faim.